Réussi à déborder à droite, là, toujours en possession du disque. Il donne une belle passe derrière. C'est... Oh, c'est marqué, but! Belle passe de Maier à Brouillard qui marque sur la séquence. C'est repris par Pietro Niro. Ça va toutefois quitter le territoire et Maier qui s'amène à 2 contre 1. Maier qui remet de l'autre côté. Un autre passe vers Maier qui marque! Quel jeu à nouveau! Et pendant ce temps, c'est toujours 5 à 1 pour les Huskies. 8-48 à faire à cette troisième période. Oh, Timo Maier là, qui se porte à l'attaque et il marque à nouveau! Et jusqu'en zone 2, c'est Timo Maier qui va le prendre. Et peut-être Abandonato qui va le rejoindre. La découpe! Timo Maier! On laisse en dentelle. Et derrière, on arme un lancé. Oh! Viens donc regarder derrière lui. On veut ramener devant et Maier marque. But Huskies, 0-0. Et Montcalm mais c'est bien positionné. La Maier va tenter de déborder d'Astou. Remet devant et le but facile marqué par Nantel. Reprend l'attaque, une passe du côté de Timo Maier. Maier s'arrête au satellite des enjeux, la droite du gardien, petite passe sur le but. Ok, la droite du gardien, le retour et le but marqué par Gabriel Fontaine. Pour les Saguenay, attention, mauvais jeu, Maier s'avance, le lancer, il y a le but. Même pas il réussit à lancer parce qu'on a bien joué devant lui, c'était Carignan. Et là, il se reprit par Maier. Maier reprend le lancer, l'arrête pas de vain, le but. Pour Maier. Maier, dans le coin, il va envoyer dans l'encadre, c'est bien fait, le tir et le but! 3 contre 2, Gileski. Voilà, une passe du côté de Perrault, Perrault s'avance, il tire, et contre! Quel lancer! Il prend dans le coin, Francis Perrault qui tricote, il contourne le filet, il met devant le filet, Maier, le contre! Il a perdu le disque, va glisser jusqu'à la ligne à Brouillard, Brouillard remet à sa droite à Perrault, Perrault hésite à l'instant, là, il remet à Brouillard derrière, Brouillard là, c'est bloqué en défense, ça revient à Maier de l'autre côté, et le but marqué par Jean-Christophe Boulder! Sur les droites pour Perrault, Perrault de l'espace, de la vitesse, Perrault s'avance, il s'arrête devant le défenseur, il tire, de retour, et il revient à Maier qui lance et contre Timo Maier! Se retourne devant le filet, on va finir la pénalité, puis après, ce sera la pause. Mais là, les Huskies en profitent. Tire du point d'appui de troisième avantage numérique consécutif en troisième période. Passe devant et là jusqu'à Beaudin. Là, la passe de Maier est parfaite. Beaudin. Sur la patinoire, intervention du gardien. La tremblée qui remet là, sans le vouloir à l'adversaire. Le tir, voilà le but. Maier qui marque. Ouais. Le verre de Greer. Le retour qui est repris par lui-même. Maier ramène son tir. Voilà le but. Timo Maier qui fait 5-0. Lanou contre la rampe, tente de rejoindre Goulet, c'est derrière lui, attention revirement. C'est Maier seul devant Pauvol, Maier une feinte, son tir, voilà le but. Conservé, attention la contre-attaque, la course entre Maier et Baudouin, c'est 2 contre 1. Maier, Myers, le tir et le but! Rondelle revient derrière, Timo Maier en profite pour attaquer, seul de son camp. À droite, il applique les freins, transversal pour Jérémy Lauzon, cercle gauche, dans l'enclave, Baudouin, un tir et contre! Et juste comme ça! Longue relance de Fortin vers Perrault. Entrée de Triton, voici Maier. De l'enclave, un tir arrêt. Retour devant, Maier du revers et compte. Quel tir de Timo Maier sur le retour. Sur la ligne de Maier. Maier avant chez l'adversaire. A perdu le 10 momentanément. Et ça s'annule jusqu'au filet. Et là, le but est marqué par Francis Perrault. Jusqu'à Beaudin. Beaudin remet des clés pour Greer. Greer remet de l'autre côté. Ça revient à Perrault. Perrault à Greer. Maier, Maier, le tir, c'est la tête. Le but marqué par Alors, du côté droit, va atteindre Maier. Maier entre l'adversaire du côté gauche. J'en ai une belle fin, ça vient jusqu'au filet. Là, c'est contre! Oh! Timo Maier! Avec l'aide du numéro 18, Mathieu Boucher. Et est-ce qu'il manque un autre but? Jean-Christophe Baudin. Baudin, laissant son neutre. Maier envoie vers Baudin pour Maier. Du revers, le but! Timo Maier en pivotant et c'est 1-0 les Huskies. La ligne bleue. Perrault, le frère d'enclave, du revers, face à le tir pénal du Mont-Bouchard qui fait frustrer Maier. Maier circule le long de la ligne bleue, l'a amené contre son patin, tir frappé, le but! Timo Maier, son deuxième du match. En fait, il a pris un chemin à travers la défensive. Jérémy Lauzon récupère la rondelle à l'intérieur de la ligne bleue, poussé contre la rampe par Grascamp. Maier reprend, laisse devant, quelle passe à Fontaine! Et le but! Incroyable! Halifax et Moussed. Maier qui passe à Baudin. Baudin s'amène sur le flanc gauche, pique au centre du territoire. Advance, il tire le but! Et okay, voilà! Remet à sa droite à Maier au centre des mises en jeu. Maier, tricote avec l'ondette, tire au filet. Et compte! Voilà, Brouillard. Au centre, entre l'adversaire, par le centre. Remet à sa droite en l'antézone à Nantel. Il remet à Brouillard. Brouillard, c'est pour Maier. Maier s'avance. Là, il tricote. Et là, c'est contre!
Dégagement qui finalement sera dans la zone centrale. Et là, interception de Timo Meier. Meier est seul. Meier s'en va. C'est là, c'est contre. Là, il reprend le 10 près de la ligne 2. Meier circule avec le 10. Toujours avec la rondelle. Il lance. Et on met devant le filet. Le but. Là, on voit le disque vers Lauzon. Maintenant vers Meier. Meier qui est dans l'enclave. Passe vers Perron à la remorque. Là, de l'autre côté, devant le filet. Perron tient compte. Quel travail. Quel travail du premier trio des Huskies. Remet vers Perron. Il reste 15 secondes à la pénalité de Mike Carconet. Tire de Meier est con. On est à 40 pour Cadorette. Il est deuxième. OK. Meier dans l'enclave vers Brouillard. Dirige un tir con. Nicolas Brouillard laissé. Fontaine, près de la ligne 2, Perron. Voit sa passe interceptée, mais on est toujours près de la ligne 2. La rondelle est tentée par des joueurs, récupérée par les Huskies. Voilà Meier. Meier tire et compte! Timo Meier! Perron s'avance. Il a raté du côté droit. La rondelle va revenir à Brouillard à la pointe gauche. Il met à Meier. Meier se déplace le long de la ligne 2. Il tire. Et contre! Timo Meier ouvre le pointage chez Yazoo. Baudin quickly ahead. Meier had his head up. He's trying to get Donahue in a loose puck in front for Perron. He scores! Francis Parasho! He's got three! Il va du côté gauche, bon rapide des champs. Passant Meier à freiner. En octave. Tire sur réception de but! Il est sur un bâton. Perron. À la pointe pour Brouillard. Un tir devant. Quelle chance ratée. Meier a le but! Timo Meier! 2-0 Rouyn-Noranda! Quitte la pétille en faveur de Rouyn-Noranda. Meier. Mécaniqueux. Il est dans l'enclave vers Fortin. Fortin tire le but! Alexandre Fortin! C'est 5-1 Rouyn-Noranda! No problem. Huskies defended well. Now they're on offense. Meier shoots and scores! Timo Meier, second of the game. Rebels scrambling to get to it. They don't get it out. Timo Meier shoots and scores. Power play goal. It's a good start for the Huskies. They've been shorthanded 9 minutes plus in this second period. Huskies haven't scored yet until now. Meier the shot. A power play goal. And it's game on. This one will be out. No, it won't. It's not down. Have a look at this. This shot is pulled back by Meier. Watch the net lift up. They're saying that's a goal. They're saying this is a goal. And this is... And another penalty coming up. Nope, that was just waved off. They score. It's Perron with the shot. And it's a power play goal for the Huskies. 1-0. Pass that was up in the air from DeVore. Here's Timo Meier. He might be inspired by that goal again.